Bonjour, je suis Pascal Laplace. Aujourd'hui, je n'aurai pas la tâche facile. Je dois réconcilier deux frères, Cyril et Alexandre. Ils ne se parlent plus depuis des années et ne peuvent même plus se voir. Leur famille m'a appelé pour tenter de remédier à cette situation et réconcilier les deux frères qu'aujourd'hui, tout sépare. Bienvenue dans Stop au conflit. Salut Marco. Myriam. Aujourd'hui, nous sommes donc dans l'appartement de Myriam qui a bien généreusement accepté de nous accueillir pour faire participer Cyril et Alexandre à son déménagement. Nul doute qu'en travaillant ensemble, ils sauront se rapprocher à nouveau. Hey, salut Cyril. Comment vas-tu? Bien. Bien. J'ai dû me taper 30 bornes pour venir. Hey, salut Alexandre. Alors Cyril et Alexandre, tout d'abord merci chaleureusement à vous d'être venus aujourd'hui. Ça montre que vous êtes prêts à travailler pour améliorer la situation. Et c'est beau. En même temps, vous nous payez. Pas faux. Alors Myriam, tu vas pouvoir dire à Cyril et Alexandre ce que tu veux qu'ils transportent dans ton nouveau chez-toi, qui se situe à quelques minutes, si je ne me trompe. Oui, il faut descendre. Super, alors c'est parti. Avec mon équipe, on va vous laisser un petit peu d'espace, puis moi, je viendrai voir ce qu'il se passe de temps en temps. Ok. Ouais, c'est parti. Let's go, boys. Et puis maintenant, on fait comment? Je sais pas. C'est pas moi qui disais que ça rentrerait comme papy dans ma vie. Ah, tu laisses papy et mamie en dehors de ça, hein. Alors ça y est, les trajets ont commencé et les deux frères ont décidé de partager les cartons. Et ça marche à merveille. Mais oui, bravo le génie. Et puis maintenant on fait comment pour le porter ce carton? Il est mille fois trop lourd. Tu prends les poignets et tu... Bah voilà, bravo, ouais, ouais. Merci monsieur le génie. Ouais, pas cette info et que les cartons soient comme ça, merde. C'est magnifique. Ils portent un meuble ensemble. Ils se sont mis d'accord et travaillent main dans la main. Si c'est pas fantastique tout ça. C'est moi qui ai tout le poids. Ouais, bah ralenti, débile. Si tu veux me pousser, moi je vais lâcher carrément. Oh, mais je te préviens, si tu lâches ce truc, je vais t'enfoncer la tête tellement profonde dedans que tu croiras que c'est ton... Nul doute qu'il restera encore beaucoup de travail à faire pour réconcilier les deux frères. Mais ils ont déjà fait beaucoup de progrès, ce qui est déjà une petite victoire pour nous. Quand on sait pas porter de carton, on laisse les autres travailler, espèce de manchon. Puis quand on sait pas fermer un carton, on reste chez soi à faire des mots croisés. Tocard. Dites, pour le remboursement, on fait à la fin ou... Parce que là, ils m'ont déjà pété trois meubles, hein. Et puis l'armoire, elle reste au milieu de la rue ou ils m'aident à la monter après? Puis le matelas, il est où?